Nous nous trouvons devant deux œuvres de Victor Vasarely qui datent du milieu des années 50 et du début des années 60. On a deux œuvres très différentes, mais très proches quelque part aussi, avec ce très beau et grand tableau de Vasarely qui, quand on se rapproche, permet de voir quelque chose d'assez subtil. C'est une œuvre en fait en trois dimensions. Ces parties ici et ici sont en bois, qui sont collées sur la toile et qui donnent cet effet de perspective. Donc on a une peinture classique de Vasarely qui travaille à la peinture vinylique avec ses formes géométriques, le carré et le rond, quelquefois qu'il coupe, mais qui donne cette impression très forte. On la retrouve aussi sur ce petit tableau bleu, extrêmement beau, je trouve, et extrêmement subtil, et qui reprend le même langage pictural.